La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis, 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo. Tous les mercredis, 7h PM. Sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Les Américains viendront dialoguer avec nous le jour où leur président sera un noir et le pape un sud-américain. C'était une réponse qu'avait prononcée par Castro face à un journaliste anglais en 1973. Cette réponse avait qualifié à l'époque d'une réponse ironique, voire utopique. Mais en 2016, cette réponse est tournée en une réponse prophétique, une parole et prophétique. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous dis bonsoir. Ce soir, nous allons avoir une séance de Café Philo très, très spéciale. Comme vous le savez tous, l'actualité mondiale est tournée et est occupé ou monopolisé par la mort d'un leader historique majeur et répondant au nom de Fidel Castro. Nous avons avec nous Monsieur Docteur, ou bien Docteur, il n'aime pas qu'on appelle ainsi, mais c'est notre ami, un ami de Café Philo également, et Juno Félix. Nous allons réfléchir et débattre sur les œuvres et les idées de Fidel Castro. Pour démarrer, nous allons devoir nous mettre debout pour entonner ensemble la Dessalinienne. Maintenant, écoutons ensemble l'hymne de Café Philo Haïti. Hasta siempre, el comandante de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, no, 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 como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Le 26 novembre, soit samedi dernier, dans la matinée, contre toute attente, Raúl Castro, le président cubain, allait annoncer la mort d'une icône révolutionnaire, d'une figure emblématique, celle de Fidel Castro. En ce sens, je vais devoir vous demander d'observer une minute de recueillement en hommage de Fidel Castro. Merci. Pour continuer, nous allons vous faire vivre
un flashback sur Fidel Castro dans un court métrage. Cuba, the largest island of the West Indies. Fils illégitime d'un immigrant espagnol devenu riche planteur de canne à sucre et d'une modeste cuisinière, Fidel Castro, élevé dans la tradition catholique, va à l'école chez les jésuites et poursuit de brillantes études à l'université de La Havane. Après deux expériences révolutionnaires manquées à Saint-Domingue et au Mexique, Castro revient à Cuba, empoche un doctorat en sciences sociales et un autre en droit. Fidel Castro devient avocat, il défend les pauvres et attaque en justice le général Batista, qui vient de renverser le gouvernement. Comme Fidel Castro ne parvient pas à chasser le nouveau maître de Cuba par la voie légale, il organise une insurrection armée. Sa cible, la caserne de Moncada. 80 assaillants tombent sous les balles de l'armée. La bataille perdue marque la naissance de la révolution cubaine. Pour son forfait, Castro est condamné à 15 ans de prison. Il est amnistié en 1955 et part pour le Mexique où il rencontre un jeune Argentin, un certain Ernesto Guevara. Fidel Castro, à cette époque réformateur et épris de justice sociale, avec moins d'une centaine de ses compatriotes, débarque clandestinement à Cuba. Son but, en finir une fois pour toutes avec le dictateur Batista. Informé du projet des rebelles, l'armée massacre les guérilleros. Castro et une vingtaine de rescapés se réfugient dans la Sierra Maestra, d'où ils harcèlent le régime. Finalement, les Américains lâchent Batista, Castro et ses troupes prennent la Havane. Pour Washington, Fidel est devenu une alternative démocratique à la dictature. Au pouvoir, Castro alphabétise la population et développe une ambitieuse politique de santé publique. Mais suite à des différends bancaires et pétroliers avec les États-Unis, il nationalise 1 200 000 hectares appartenant à des riches cubains ou à des sociétés nord-américaines. Nouvel épisode dans la tension américano-cubaine. En représailles, Washington tente de ruiner Cuba pour faire tomber Castro. En réponse, le dirigeant cubain renforce ses liens avec l'URSS et quand les Américains bombardent la Havane, Fidel Castro déclare socialiste la révolution cubaine. Après avoir neutralisé dans la baie des Cochons un débarquement militaire d'opposants cubains, aidé par les États-Unis, Castro affirme qu'il est marxiste-léniniste. Il accepte l'idée d'un parti unique, formé sur le modèle des démocraties populaires. Le renseignement américain détecte la présence de rampes de lancement, de missiles, de bombardiers et de conseillers militaires soviétiques à Cuba. C'en est trop pour l'Amérique. Kennedy demande à Khrouchtchev l'arrêt des opérations sous peine de représailles nucléaires. Le monde entier retient son souffle. Les Russes reculent. Un blocus naval américain asphyxie Cuba. Cette fois, c'en est fini des relations diplomatiques entre Washington et la Havane, qui se met sous la protection de Moscou. Castro soutient des mouvements de guérilla communistes en Amérique latine, dans les Caraïbes, et à partir de 1975, l'armée cubaine intervient de façon directe dans des conflits en Afrique, et particulièrement en Angola. Loin du conflit angolais, à Cuba, celui qui se dit le défenseur des mouvements progressistes du tiers-monde exile ou emprisonne des milliers d'opposants. Certains sont même exécutés. No society has achieved the moral standards that our society has in the 21 years of the revolution. En 1978, le dictateur relâche des prisonniers et en 1980, Castro laisse partir 125 000 candidats à l'immigration. Le camp socialiste s'effondre, la pénurie menace Cuba. Castro riposte en libéralisant des secteurs de l'économie. Mais sur le plan politique, l'Assemblée nationale renforce les pouvoirs de Castro à la tête de l'État et le Parti communiste cubain demeure le seul parti autorisé. Fidel Castro a annoncé de nouvelles concessions en matière d'économie. L'Amérique renforce son blocus autour de Cuba. Fidel Castro, officiellement, se dit toujours opposé à une transition vers un système capitaliste. Pourtant, il continue de favoriser les initiatives privées et les investissements étrangers. Avec le droit de posséder des dollars américains, la criminalité explose. Les candidats au départ sont si nombreux que les États-Unis signent avec Fidel Castro un accord visant à réduire leur nombre.
Pas d'accolade ni d'embrassade, mais une poignée de main franche, longue et chaleureuse. Porteur d'un message de paix, Jean-Paul II, anticommuniste notoire, rend une visite historique à Fidel Castro, le dictateur communiste, porteur d'un message d'ouverture nécessaire à la survie du régime cubain. Fidel Castro est réélu président pour 5 ans, malgré un vent de fronde contre le nouveau pouvoir et son inamovible chef. Hasta la victoria siempre. La question de la fin du régime est sur toutes les lèvres lorsqu'en août 2006, elle commandante, 80 ans, malade, délègue ses fonctions de premier secrétaire du Parti communiste, de président du Conseil d'État et de chef des forces armées à son frère Raoul, 75 ans, numéro 2 du régime depuis 1997. L'année suivante, Fidel Castro annonce officiellement son retrait du pouvoir. En 2012, année de son 86e anniversaire, Fidel Castro apparaît au mois de mars en compagnie du pape Benoît XVI, alors de passage à Cuba. En 2013, les Cubains aperçoivent deux fois Fidel Castro, une fois pour les élections législatives, une autre fois lors de l'annonce de la mort de celui qu'ils qualifiaient de meilleur ami, le président vénézuélien Hugo Chavez. Le long règne de ce monstre sacré de la politique internationale est bel et bien terminé. Pourtant, qu'on le déteste ou qu'on l'admire, le mythe Castro continue. Il faut ajouter que Fidel bénéficie d'une grande popularité dans le tiers-monde, notamment en Amérique latine. C'est dans ce sens-là qu'il y a un rapport sud-sud qui est développé. Et nous-mêmes, à Haïti, nous avons développé une relation nous relions généralement relation haïtiano-cubaine, côté que il y a deux domaines clés, nous, Cuba ou bien République Castricienne d'accord, Eden Laden, qui c'est santé et puis éducation. Voilà, nous parler rapidement, passer intervenant qui c'est Juno Félix, pour lui parler, puisque son monde qui a eu une chance côtoyer et Fidel Castro, il va partager l'expérience avec nous, certainement, mais il va développer certaines idées de Castro, puisque c'est un monde lui-même qui lui prend comme modèle, lui, au monde lui remet pour nous parler comme ça. Maintenant, de nous, pour nous accueillir ensemble avec Dr. Juno dans la présentation. Bonsoir tout le monde. Merci, l'auteur, pour vos présentations. Et merci à tout Café Philo, à Ralph, Gaël et toutes amies dans Café Philo. Et Jean, introduction a été faite là. Moi, son ami Café Philo. Ce n'est pas la première fois que je parle dans Café Philo. Et merci en pile de ce que Café Philo a assumé ça et décidé de faire un hommage à Monsieur Sarah Kirele, Fidel Castro. Et nous avons bien dit, monsieur, m'barrele un grand homme, m'barrele un génie, j'ai un paquet de monde fait li. C'est pour me répéter une phrase li. Il y en a une première fois que moi rencontré avec Fidel, et dans une discussion que j'ai eu avec elle, moi t'ai parlé de l'admiration que j'ai eu pour Che Guevara. Et le ça, un jeune petit monde, j'ai 23 ans. Et que ma petite fidèle, j'aimerais m'admirer Che Guevara et j'aime imprégner la vie moi, etc. Et que pour moi-même, c'est un grand homme, Che Guevara. Et puis fidèle avec un naturel, il répond moi, il dit, non, il n'a pas pensé que Che Guevara c'est un grand homme. Ni lui-même tout, il n'a pas pensé que c'est un grand homme tout. Il est juste un monde. Et que peut-être c'est l'autre monde qui est sous-homme. Bah, ça a été marqué en pile. Il était marqué en pile pour que moi-même qui était prend M. Sayo pour céder, c'est des gros icônes, c'est des. Et M. rappelé pour le dire, non, c'est comme ça pour tout le monde, supposé. Et que peut-être l'autre monde moins ouais qui parle l'autre genre, c'est des, juste des sous-hommes. Alors, je dis, c'est mot par M. Il dit, c'est des sous-hommes, M. Et chaque fois, un monde n'est pas capable de vivre, comprendre. Que le pas vivre pour col dans la société, que le pas pour col dans l'humanité, et que
li gen yon responsabilité par rapport à l'autre monde qui viv bò kote l, c'est moun sa qui sont moun en réalité. Effectivement, moi le James relé moi, il dit moi ah Juno, c'est ou même nous choisi pour venir participer dans hommage pour Fidel. Moi j'étais content en façon pour me dire tête moi parce que me pas croire que m'a cal dans l'enterrement samedi. Moi dit tête moi c'est en façon que c'est un bagage que peut-être me pas jamais fait, peut-être me faire une seule fois époque moi j'étais étudiant en faculté de médecine après première rencontre moi avec Fidel que moi j'étais fait on était fait un gros débat dans la faculté de médecine côté que moi j'étais raconté toute anecdote toute ça Fidel dit etc. et me partager là avec l'autre étudiant qui était dans la faculté de médecine dans tout. Mais après ça, en dehors de dialogue moi avec des autres cubains qui en Haïti pour m'expliquer aux relations avec Fidel, parce que même cubain qui en Haïti yo, et c'est là ça m'a comprendre j'ai son gros chance que me t'ai gagné parce que même cubain qui en Haïti yo, même chef cubain en Haïti en va jamais rencontrer Fidel. Avait dit c'est pas un bagage qui facile pour que même cubain yo rencontre à monsieur. Donc moi à chaque fois et toute photo que me gagne avec Fidel, c'est des reliques yo pour moi et je prends ça comme un challenge des fois, même un défi. À chaque fois que je vais aux États-Unis, photo ma fidèle toujours dans sac main. Et son gros photo lié, et me gagne là. Un gros photo ma fidèle, et me toujours marche avec dans sac main. Pour me dire, moi, époque ça, alors, pour me donner une petite anecdote ça. Pour une fois que je vais à Cuba, et puis l'ambassade de Cuba dit moi que. Non, là, ça pour côté qu'il y a ambassade en Haïti. Mal prend visa à Panama. Le mouvement Panama, ambassade Cuba Panama a dit que y a bon visa sur un feuille papier, parce que yo connaît toute en bataille que impérialiste a mené contre yo. Yo pas voulu que moun gen problème avec américain, donc yo pas mette visa sur passeport, c'est sur un feuille volante que yo mette. Et me songe me répondre consulant, non, on va mettre visa sur passeport. On l'autre pays va interdit aller dans un pays que me voulait aller là-dedans. Et si on regarde le passeport, tout visa cubain que j'ai eu, c'est sur le passeport. Et même le vingt ambassade en Haïti, je n'ai jamais accepté que je mette pas visa cubain sur une feuille volante. Tant que je peux que m'affirmer ou bien m'assumer que moi-même, je remets ce pays ça et je remets l'effort que j'ai fait et je remets la trajectoire que j'ai pris. Donc, moi-même, tout visa cubain que j'ai eu, c'est sur le propre passeport que j'ai eu. Et ça, qu'on fait que j'ai eu un petit problème, je vais rentrer aux États-Unis ou bien dans d'autres pays. Que ou même gen visa arabe, visa dans des autres pays arabes, visa dans pays Venezuela avec Chavez, visa dans des autres pays encore. Et que à chaque fois m'a monté dans avion, nèg toujours mettait me sur côté pour fouiller, mais moi même m'assumer pleinement. Et ça c'était juste pour me introduire petit parole que me va le faire avec nous là. Parole là pas longue en pile, même si que moi même t'a pu souhaiter parler avec nous 6 heures de temps de fidèle. Jodi a nous pral M'bral Fonti, premièrement, Fonti parle nous de différents rencontres que m'gen avec Fidel. Moi fait ça plusieurs fois, moi rentré avec camarade là plusieurs fois dans vie moi. M'a pral essayer raconter nous différents rencontres ça que m'fait. M'a fait très très bref, mais m'a plus ou moins dit nous dans quelles circonstances que m'rencontré là chaque fois et ça ne parler en général. Non, l'autre point encore, je vais essayer de faire une petite synthèse pour moi-même dans la discussion que je fais avec Fidel. Qui est l'idée principale, qui est l'idée forte que moi-même je tire dans ce géant, ce que Fidel Castro. Non, l'autre point, je vais essayer de parler nous, de relation fidèle avec Haïti. De tout ça, le raconter depuis l'enfance, la relation avec le peuple. M'a essayé ben nous de toutes ces anecdotes, moi sûr que nous lions un paquet de bagages dans l'histoire fidèle ce que le gain avec Haïti, mais peut-être qu'il y a des bagages que le dim qui pas peut-être écrit dans livre que m'a essayé partager avec nous sur relation que le gain avec Haïti que j'étais toujours qualifié d'une relation affective qui pas rien de politique là-dedans. Et puis dernier point, m'a essayé garder ensemble avec nous perspective qui salta kayé relation Haïti avec Cuba pour pi devant pendant que Fidel parle encore. Et m'a essayé garder tout ensemble avec nous dans perspective yo qui ça que nous-mêmes société haïtienne n'ta ka bénéficier en termes de qui leçon que nous ta tirer dans vie ça monsieur ça qui pendant près de 60 ans t'est dédié toute la ville net
à pays sacré les Cuba. Et Jean Lotius a dit tout à l'heure, moi essayer le plus possible prendre monsieur comme modèle dans la vie moi dans le sens dédicace que moi-même moi bail à pays moi j'aime dédier la vie à pays ça et moi espérer que me ta vivre aussi longtemps que monsieur pour me ta capable porter le plus contribution pour moi-même à société ça que qui te permettre que moi fait là dans la société haïtienne. Première fois que rencontré à Fidel c'était en 1986. Le ça Haïti nous fait sortir dans régime Duvalier et que le ça moi j'étais un jeune étudiant dans la faculté de médecine et l'époque ça nous t'ai fait créer un gros mouvement étudiant dans le pays hein, qui était la Fédération nationale des étudiants haïtiens FENE qui était regroupé à peu près 15 associations de étudiants dans différentes facultés. C'était un mouvement qui était très fort et peut-être moi grand pile jeune là monde qui plus grand passé nous capable expliquer nous qui poids que mouvement étudiant ça a été gagné dans pays hein, et qui respect que en fait nous t'ai commandé qui respect que nous t'ai inspiré dans cadre mouvement que nous t'a mené et époque ça moi même moi t'ai principal porte-parole Fédération nationale étudiant. Moi j'étais coordonnateur général mouvement ça qui était gagné en gros direction nationale qui était regroupé tout représentant toute faculté était en gros assemblée des comités de tout comité et puis était gagné un petit comité exécutif de 5 membres que moi j'étais là dans ligne donc moi j'étais un principal fondateur de mouvement ça et jusqu'à ce que moi fini médecine là moi j'étais coordonnateur comité exécutif de FENESA. Et c'est dans le cadre de ça que nous recevons une invitation de, directement du gouvernement cubain qui passait avec Fédération étudiant cubain qui était relée FEU, en espagnol Fédération Estudiantil Universitaria. Et FEU, mais je viens d'apprendre le privé Cuba que c'était le gouvernement cubain qui était sien à ce que les étudiants haïtiens, le autant de tout bruit que nous avons fait dans le pays. Que on tient à ce que étudiants viennent dans congrès FEU, c'est-à-dire c'était dans congrès national étudiant cubain et yo t'ai invité 4 pays. Yo t'ai invité étudiants russes, yo t'ai invité étudiants nord-coréens, yo t'ai invité étudiants nicaraguayens et puis yo t'ai invité étudiants haïtiens. Donc c'est moi-même seul qui était parti qui était à représenter étudiants haïtiens. C'était un bar extraordinaire pour moi-même qui était depuis à l'âge de 15 ans, j'étais vraiment impliqué dans la politique dans le pays d'Haïti. Moi j'étais participé dans un paquet de mouvements dans le pays hein. Et pour moi-même c'était plus gros rêve moi le rencontrer, moi pas de chance rencontrer avec Che Guevara, mais moi pour le rencontrer ou bien moi le ouais monsieur ça. Mais le ça m'a pas pensé que moi avoir une chance pour moi rencontrer à Fidel directement. Moi connais que peut-être moi le participer dans congrès hein. C'est sûr Fidel à plat. Parce que monsieur est toujours très proche étudiant cubain, même pas de penser que je t'ai rencontré avec monsieur. Effectivement, nous participer dans différentes rencontres. Et premier bail qui pourra impacter, qui pourra vraiment faire impact sur moi encore en dans congrès. C'est premièrement congrès étudiant cubain était fait dans auditorium Force l'armée cubaine. Et le m'a rentré dans auditorium ça, tu gagne un statut géant de Ernesto Che Guevara dans Portland et un statue géant ça veut dire qui dépassait hauteur monde et que il était prend photo Che Guevara le bras était dans plate là le mel était cassé hein malgré mel cassé et puis qu'il mitraillette là dans main gauche là et puis mel dans plate la gourmet toujours dans Sierra Maestra c'est statue ça qui symbolisait en pile sac Che Guevara c'est statue ça qui gagne dans auditorium Force l'armée. Me rappeler me fait près de 30 minutes camper devant statue hein, pour essayer comprendre moun ça comprendre ardeur monsieur courage monsieur audace monsieur qui sont argentins qui pas rien à voir en réalité avec peuple cubain même si après il devine prendre nationalité cubaine là même s'il les remettre nationalité avant le quitter hein. Et puis moi rentrer dans l'auditorium là
et moi participer avec étudiants cubains. Et le m'a regardé pendant journée ça de foi étudiant ça yo, pas que gentil monde 19 ans, 20 ans, 21 ans, 23 ans dans foi ou dans révolution. Et une petite anecdote que me transmet étudiant haïtien ou le me retourner, c'est on le mal dans toilette et puis un étudiant qui était toujours accompagné moi parce que yo ba chaque étranger ont étudiant haïtien alors nous quatre qui était sorti dans quatre pays ça yo. Et puis pendant monsieur dans toilette là monsieur fait une pipi moi fait une pipi tout et puis monsieur prend un petit papier tout petit pour le suer même dit monsieur hey pour qui ça va prend papier normalement et monsieur répond moi que le pape gaspiller papier révolution ça dit shit ça passe monsieur là au moins monsieur prend un petit papier tout petit et pas de gain monde là ou pas dire c'est pour monde là faire ou pas dire c'est parce que gain des officiel là etc. Monsieur quoi dans ça l'a dit moi monsieur dit me li pas gaspiller papier révolution parce que connaît pays a sous embargo pays li gain des efforts l'a fait li pas envie gaspiller papier ça. Et puis finalement dans deuxième jour Fidel Castro rentré et ça l'a crasé. C'était congrès étudiants cubains, étudiants aussi dans toute ville dans pays hein. Alors faut qu'on dit nous dans chaque province Cuba gon université et ça l'a crasé. Monsieur Bocoté va le parler, il est juste rentré dans la salle. Et puis, étudiant, il est tombé chanter fidèle, etc. Et puis, au bas, monsieur parlait à 1h de l'après-midi. Et puis, là, monsieur monté, première phrase, il dit, c'est que ça fait le mal que vous allez parler à l'heure, ça, c'est on le monde grand goût. À 1h, monde pas envie, tendez, monde qui a parlé. Donc, là, très bref. Li pa parler en pile. Fidel parler 4 temps. Monsieur estime que il était très bref. Et moi-même personnellement, m'a dit non, ça moi vive, moi pas de grand goût. M'a tendé monsieur qui a parlé avec étudiant, l'a parlé de toute bagarre, il parlait de toute qualité causée et me songe un groupe étudiant pendant que tu as parlé qui brusquement campé son groupe étudiant en faculté. Non faculté Cienfuegos. Et puis qui campait, et puis qui tombait, chantait bien fort, Fidel, nous voulions aller à Angola. Et puis Fidel m'a dit tout pour Chita. Et puis il dit, oh, là, moi-même, c'est étudiant, m'a dit, nous étudier, le pour nous aller en guérilla, pour qu'on arrive. Il m'a dit pour tout Chita. Il m'a dit, c'est quoi, monsieur, la relation que j'ai gagné avec étudiant, et pendant 4 temps, ça a discours en durée. Et puis, dans demain, dans demain, c'était troisième jour congrès. Hein. Fidel retourné encore. Puis dans le jour, ça a été demandé pour 4 étrangers, Ruslan, Nicaraguayen, Haïtien et puis Nord-Coréen pour y parler. Et puis, moi, j'ai commencé à parler français. Dans le discours, pas mal. Fidel a un écouteur dans les oreilles. Fidel a retiré l'écouteur et puis il a campé. Il dit, excusez-moi, il était envie d'entendre directement quand parler français. Et puis, monsieur, tout font tirer aller sous créole. C'est le premier monde qui dit, ça en envie, je me dis, très jeune. Et puis, c'est Fidel qui dit, et c'est ça qui fait me remercier l'autre, je me le virer en créole. Parce que je me dis que je n'ai pas de courage de faire intervention ça en français. Parce que Fidel, dans le micro, a dit, pendant que je suis campé dans le micro, a fait discours, monsieur dit, créole. Là. C'est la première langue révolutionnaire que la Terre connaît. Moi, continue le discours en créole. Et puis, monsieur Fidel, recampé encore. Et puis, il demandé pour que mon traducteur créole qu'elle parle. Parce que les gens qui ont traduit pour moi en français et espagnol, les gens n'ont pas compris le créole. Et heureusement, il y a un descendant haïtien là. Qui montait dans la cabine à faire traduction. Et Fidel dit que l'anglais, ça fait son langue révolutionnaire, c'est parce que son paquet africain qui devine non-ti-île, yon ne pas comprendre l'autre, yon ne pas parler entre eux parce que yon parlé des dialectes différents. Et puis Oshita, c'était le premier zak révolutionnaire, Fidel dit, qui fait dans ce domaine. C'est yon créé un moyen de communication pour yon faire révolution. Ils ont créé un outil pour qu'ils puissent parler entre eux. Donc, créole là, c'est une langue, première langue révolutionnaire qui fait sous terre. À,
après discours là, alors faut qu'on dit nous au nom de Féné, au nom de étudiants haïtiens, on te remettre monsieur un gros poster Charmal Peralta que toute direction nationale haïtienne t'a signé, yo te remettre moi en vente partie et moi traduit à la main qui ça qui était écrit en bas poster. Et moi te répéter fidèle exactement phrase yo, alors pour monde qui pipiti yo, faut qu'on dit nous que Féné pendant qu'un pile monde qui était écrit sur Charmal Peralta, mais c'est mouvement étudiant haïtien qui premier retourné avec Charmal Peralta et fait tout pour n'en parler Charmal Peralta en Haïti. C'est moi-même personnellement qui était allé New York, qui était allé rencontrer étudiant haïtien New York yo, et étudiant haïtien New York yo al chercher une photo Charmal Peralta dans bibliothèque Congrès Washington, et puis étudiant haïtien New York yo fait étudiant haïtien qui t'a goumé en pile en Haïti époque ça. Puis gros poster Charmal Peralta là qui était son gros drapeau que nous t'ai fait on bail géant que le que nous t'ai mettait dans faculté des sciences là et moi-même moi t'ai rentré avec en Haïti et ce poster ça m'a fait Fidel Castro cadeau au nom de jeunes haïtiens et dans nous quatre dans c'est nous seul peuple qui t'ai fait Fidel un cadeau et le ça nous t'ai en bas poster étudiant haïtien t'ai m'écrit que au juré que Yankee ou bien Américain ou pas jamais retourner sur sol ça encore avec zam nan men. Malheureusement, alors moi le dit nous ça après plusieurs fois m'bin rencontrer à Fidel et Fidel rappelé ça m'te dit en 86 87 et que malheureusement gagne des monde qui retourner avec Yankee ça pour propre pouvoir dans pays ça. Après discours là Fidel Réléon, moun nan parti communiste, li mande pour que je vienne rencontrer avec des deux stage. Monsieur Vini, il font chita parler avec et puis li mande le ça que le temps aimer rencontrer avec plus tard dans souhait. Il t'a aimer rencontrer avec seul à seul. Et effectivement pendant que j'étais dans hôtel là, on paquet nèg lunettes noires, alors sécurité Fidel pendant que j'étais avec un Brésilien, avec un Cubain dans l'hôtel là, et puis j'ai débarqué. Alors tout l'autre étudiant était peur parce que pas de compte ça Fidel te dit moi-même. Et puis j'ai débarqué toute sécurité yo, et puis l'autre camarade de l'autre pays qui était là, j'ai un petit genre paniqué, dit ça me gagne dans qui problème que mien. Mais pourtant c'était venir te venir chercher pour me capable rencontrer à Fidel et jour ça nous fait toute nuit là parler et pour me t'expliquer monsieur ça qui passé en Haïti en réalité. Époque 86-87, yo lutte cap mené, yo lutte étudiant, etc. On va pas raconter nous tout détail, tout ça qui passé en dedans, rencontre ça. Même songer que yon phrase que monsieur te dit moi qui marque mon pile côté que monsieur te dit que jodi a li wè que moi même son révolutionnaire, li wè m gen on idéologie qui pour pi pauvre, pour pi malheureux. Même si je dis, s'il te plaît, je dis à devoir révolutionnaire, c'est étudier. Devoir, si je dis devoir révolutionnaire, je dis, ce n'est pas ni à l'an à faire candidat, ni à on va comme je viens répéter en 2000. Et je dis, devoir que je gagne comme révolutionnaire, c'est apprendre, c'est former tête, c'est un devoir révolutionnaire. Et actuellement, là, je me fais cours dans la faculté de médecine avec sciences humaines. De temps en temps, je répète phrase ça et que me dit que fidèle mes alte dim et ça me transmettre aujourd'hui en tout. Si vous êtes révolutionnaire pendant vos étudiants, devoir pas aujourd'hui, c'est former tête et grandir intellectuellement. Après ça que nous gagnons pas qu'être l'autre rencontre politique qui fait. Je me souviens que Fidel t'a introduit avec des jeunes sandinistes. Et c'est à cause de Fidel qui t'a permis de aller au Nicaragua. Je suis allé au Nicaragua pendant la même période de révolution sandiniste parce que tu as plusieurs étudiants cubains qui t'ont parti pour aller au Nicaragua. Et moi-même, tout, moi t'ai participé dans le voyage, ça, aller regarder qui ça sandiniste t'a fait dans l'époque. Et travailler avec des étudiants nicaraguayens. Participer avec eux dans l'université. Alors, faut que dit nous que Féné époque ça, c'était un mouvement étudiant qui était très impliqué dans le mouvement international. Avec Fidel,
Et c'est Fidel qui t'a exigé ça quelque part. Fini de venir membre communauté exécutif au CLAE. Siège au CLAE. Au CLAE, c'est l'organisation centro-latino-américaine des étudiants. Et siège au CLAE, c'était la Havane. Il t'a demandé, Jean-Louis, combativité étudiant haïtien, que le temps intéressant que haïtien vienne participer dans le comité exécutif au CLAE. Et moi-même, dans le premier temps, moi-même, j'étais membre du comité exécutif ça. Et après ça, j'ai eu l'autre haïtien qui vient membre du comité exécutif au CLAE. Et fini tout, même période ça, fini tout, t'es membre UIE, qui c'est Union internationale des étudiants, qui est à Tchécoslovaquie, siège li t'es à Prague. Ensuite, après ça, 1999, moi vinn responsable projet cubain en Haïti et me devinn nan monter descendre Cuba. Moi devinn gagner de très très bonnes relations avec cubain yo. Té même une époque Fidel en blague, à la vérité c'était en blague, Fidel té relé le consul cubain en Haïti. Parce que époque ça, à chaque fois un cubain après entrer en Haïti, époque 98 99, le nous fin rétabli relations avec Cuba. Chaque fois un cubain après entrer en Haïti, c'est moi-même qui t'ai checké. Et c'est pour ça et ça fait que moi-même moi t'ai participé dans l'établissement ambassade là. C'est moi-même avec cubain un jour dimanche nous t'a Fidel demandé pour nous joindre côté ancien ambassade Cuba à époque Batista. Et c'est moi-même avec deux cubains dans marché dans toute bicentenaire finalement nous vienne gain impression que étant donné Cuba était en sous-sou américain époque ça sûrement tout près ambassade américaine. Effectivement on dimanche bon une heure non, marché à cubain et puis nous fini par joindre côté ancien ambassade Cuba atteye, c'est côté qui jodia qui sont tribunal du travail qui en face ancien ambassade américaine non. Effectivement nous joignons un statut qui là c'est un statut cubain que lié son œuvre cubaine et c'est à partir de là nous venons reconnaître qu'effectivement c'était ancien ambassade là et jusqu'à ce que dans Goumen nous venons fini par joindre en Kai Peggyville côté ambassade Vinchita et juste jodia li dans zone Peggyville. Ensuite après ça après à travers rencontre à travers projet cubain que me vinn diriger en Haïti moi vinn aller Cuba chaque mois mon monter Cuba et dans chaque mois monter Cuba vinn un paquet de rencontres privées que moi faire avec Fidel gagne yo qui conn toute la nuit de 8h du soir à 4h du matin et au fur et à mesure, il y a des rencontres qui sont plus politiques, tout. Des rencontres avec elle, des rencontres avec des autres personnes qui étaient proches, etc. Et moi, j'ai un paquet de souvenirs de rencontres. Et que, au fur et à mesure, je m'a parlé de l'autre bagaille, je m'a retourné sur des petites anecdotes que j'ai gagné avec Fidel. L'idée fidèle, je suis sûr que nous tous qui nous lis en pile, nous avons un paquet de bagaille que Fidel parlait. Mais moi-même, dans la discussion avec monsieur, je regarde ça fondamental dans la vie, monsieur, dans l'action politique. Ça fondamental dans l'action politique, monsieur, c'est la lutte anti-impérialiste. Je estime que lui-même, il était petit, il voyait comment l'autre pays a pillé les ressources Cuba. Anti-impérialiste, c'est pour un bagage vague en l'air, c'est pour un mot en l'air, c'est pour un concept en l'air. C'était fondamentalement comment empêcher que le pays continue à piller les ressources la caille. Et je pense que c'est là naissance de la bataille anti-impérialiste qui vient toute reste action politique, monsieur, vient chita sous ça. Intérêt national. Là. Intérêt pour sac dans le pays, ressources qui sont dans le pays. Pour que c'est monde qui est dans le pays, un peuple cubain qui est capable de bénéficier et bénéficier de ressources. Deuxième, l'autre bagaille que je joue en pile là-dedans, c'est l'intérêt social. Alors, l'intérêt social là avec lutte anti-impérialiste, yo m'a connu un côté. Et une petite anecdote, c'est le Elian, petit cubain qui était prêt, qui était 7 ans, songer, qui était sur un bateau et que. Américain te prend le grand papa de Miami au fond pas qu'est scandale avec ça papa de Cuba etc. Jour au prend Elian là moi était avec Fidel moi était dans bureau li et le ministre affaires étrangères porté vidéo pour dire que au prend Elian Gonzalez moi était avec monsieur
Et l'homme qui a regardé la vidéo, j'ai invité à regarder la veille. Et bien, là, t'es tellement touché. Moi, j'ai fait une blague avec elle. Moi, j'ai dit, même Jean, peut-être avec ça, le dit pour le pape. Moi, j'ai dit, monsieur, que le Hélène a tourné quand même. Ou après, il veut gagner une bataille, ça. Et le jour où Hélène a tourné Cuba, map Cuba. Et par pure coïncidence, juste en coïncidence, là, effectivement, le gouvernement américain retourné Hélène Cuba. Moi, j'étais Cuba, là, ça. Là, Hélène retourné. On l'a victoire encore que monsieur prend sous le gouvernement américain. Ensuite, c'est vision politique, monsieur. C'est qui gens comprennent le monde, qui gens comprennent Haïti, qui gens comprennent pays tiers monde, et qui gens comprennent l'esprit, l'idée que consiste un conseil de pays impérialiste qui a pillé ressources de pays ça, et que lui-même fondamentalement les camper pour les goumer contre ça. Et c'est ça que fait jusqu'à aujourd'hui, nous avons pour l'incinérer, monsieur, les ont uniforme militaire sous lui, ça veut dire. Monsieur toujours en combat, il est toujours en bataille. Et malgré le mourir, l'uniforme militaire en sous lui, c'était vision, monsieur, pour lui-même, c'est une bataille continue que lié. Et nous tous connaissons, il y a plus que 600 tentatives d'assassinat que vous faites sous fidèle. Il y a peut-être que était vraiment manqué prend. Ça était peut-être plus manqué prend, c'est là où vous voyez un fibre, monsieur. Un allemand, un dame d'origine allemande qui vient remet avec monsieur. Et puis, par contre, peut-être qu'il y a un bagage qui fait que fidèle te rete là. Jou fidèle gen pour le tuer. Je fiyan gen pour le tuer, monsieur. Hein? C'est non crème glacée, le te gen pour le tuer, monsieur. Mais fiyan juste pas qu'à faire. Mais fidèle suspecte qu'on bagage, fidèle râle revolver, li baye dame là. Parce que zamne toujours sous lui, li dit dame là. Si c'est tuer ou vin tuer là, tout tuer. Et fiyan y kon livre sous ça. Fiyan dit le kembe zam là. Mais li tellement remè, monsieur. Alors, mais Ralph Bay non livre là, li kembe zam là et puis fidèle viré do ba mamzelle, li baldo. Li dit souvle tuer me tuer. Parce que il était dans cabane avec chaque jour. Et puis fiyan dit le kembe zam là, mais fiyan dit fidèle ba zam là c'est parce que le connaît que le pas tuer le vrai tellement le remel. Et effectivement fiyan pas tuer monsieur. Donc monsieur passé toute qualité forme même dans cabane avec un fille nèg ça sous attaque. Abe dit son nèg qui était toujours en bataille et pour moi-même c'est discipline monsieur audace li courage li qui permettent que le vive pendant tout temps ça 11 présidents américains juré que c'est eux-mêmes qui a rentré Cuba après la mort fidèle même je mourir il va me arriver faire rien et puis gros symbole que moi maintenant ba ça c'est chanter Celia Cruz là m'a continuer connait chanter ça Celia Cruz c'est ton l'ennemi fidèle Celia Cruz font chanter qui est Este Domingo quand elle dit ce dimanche jour pour aller rentrer Cuba le fidèle fin mourir Celia Cruz mourit elle mourit fidèle était là toujours l'autre élément pour moi même dans l'idée fidèle c'est intérêt pour Pif Fabio intérêt pour Pif Fabio qui pour aller venir fait que fidèle vient tourner ça lié hein, et faire révolution ça intérêt pour Pif Fabio qui pourra venir faire que le remet haïtien depuis le fidèle fait en 1926 les joignent haïtien déjà là parce que haïtien ont commencé à rentrer Cuba en 1920 et intérêt pour Pif Fabio malgré c'est des monde qui t'a travaillé pour papa intérêt ça c'est les mêmes qui viennent guider conviction et juste je dis juste avant de mourir toujours répéter que conviction politique li, les sorti dans l'histoire pays d'Haïti. Dernier thème central pour moi-même dans fidèle là, c'est solidarité internationale. Côté que monsieur comprenne nationaliste là, c'est pas seulement nationaliste ça c'est bon bagaille qui rite sous Cuba. Nation pour lui-même beaucoup plus grand toujours. Et non discussion de faire à fidèle parce que me partager ça avec monsieur amour que le gain pour l'histoire. Moi te conseille monsieur à lire un livre qui te relé le rêve de Toussaint Louverture. Côté Toussaint Louverture, c'est un rêve pour te créer les États-Unis d'Amérique. Toussaint te gétant gagne un rêve ça pour te créer les États-Unis d'Amérique pour faire tout pays américain créer un seul pays. Et l'homme dit fidèle ça, fidèle pas de connaître livre là. Et puis monsieur relé Chaumine son docteur qui était secrétaire monsieur en période alors il aurait l'aimé Chaumine Cuba parce qu'il semblait un Vietnamien. Son docteur, monsieur, mais fidèle te prend comme un aide de camp. Et, jour ça,
chemin de là dans dialogue n'a pas Fidel là et puis Fidel tout le chemin il dit monsieur aller chercher livre ça pour lui et 2 ans après moi rencontrer Fidel encore Fidel joue un livre là et il comprend ça l'idée tout ça l'ouverture en terre relation avec Haïti j'aime dire c'est un bail qui commençait depuis le fait monsieur fait Biron c'était un côté qui était dans un grand province qui était relé orienté je dis à province ça pas existe encore. Mais d'un coup, département nous. Province orientée, tu prends ni zone Holguin, ni zone Santiago, c'est ton seul province, mais tu es orienté. Fidel fait en dans province ça. Mais je dis, si nous considérons province, ce n'est pas en dans province ça, tu as fait, je dis. Parce que vous redistribuez géographiquement la province de Cuba. Monsieur Fett, papa, tu as gagné en pile de et dans le terre, tu as gagné en pile de et c'est haïtien qui a travaillé là-dedans. Et monsieur dit l'elle était timoun avec timoun haïtien l'a joué nan mitan casio côté parent hérité et c'est monsieur dit tout bagaille que le connaît dans la ville dans jeunesse c'est haïtien qui montre le haïtien qui montre le fait fils timbal monsieur dit première fois le sécher l'école c'est haïtien qui montre le fait ça monsieur dit première fois le font voler dans ville c'est haïtien qui montre le monsieur dit, il y a une boulangerie, vous voyez, il y a une boulangerie. Tout le monde qui est dans la boulangerie, comprend son attaque, il y a pété courir, il est rentré dans le volet pain. Mais tu n'as pas besoin de pain, parce que tu as vécu bien. Mais c'était dans l'ambiance haïtienne, il était avec lui, il a fait tout ça que vous faites avec lui. Pour monsieur dit que la relation que lui a avec Haïti n'est pas une relation politique du tout, c'est une relation d'affection, que depuis le pitié. L'homme parle, monsieur, de parrain qui est haïtien, son nec qui était le Iber. Alors, permettez-moi mon petit j'ai oublié faire non, et pas Fernand. Non, parce que grand pile monde qui pensait c'est Fernand, grand monde qui pensait c'est Lucien Hibert. Moi t'ai demandé monsieur si c'est Fernand, monsieur dit non. Mais monsieur tout est oublié prénom. Mais monsieur de vous équipe monde en Haïti, on pas équipe historien. On équipe historien que le dévoyé en Haïti avec télévision cubaine pour devine faire un étude historique sur Parrainé. Et Parrainé, c'est Parrainé est sorti dans la zone Tigouave-Gangouave. C'est dans la zone ça, M. Dim, que Parrainé est sorti. Et il était une équipe qui vient faire une enquête sur lui. Moi, je recevais M. Yo. Yo fait étude là vraiment, mais moi-même, j'ai oublié prénom actuellement. Mais ce qui est intéressant pour me dire, c'est que Fidel Dim joue ça. Ce n'est pas Parrainé seulement qui est haïtien. Il dit, Marrainé, tous sont haïtiens. Ce n'est pas Marraine qui a été choisi. Il n'a pas choisi Haïtienne pour être Marraine. Mais Marraine vient de tomber malade. Là, il va le baptiser. Et puis, il prend un professeur piano Santiago, qui était un Haïtienne qui a travaillé dans le consulat Santiago. Consulat Haïti Santiago. Et que ce n'est pas Marraine seulement, même fille. Mais monsieur, bon, il était grand monde, ça, fidèle pas songer non Marraine. Mais il dit Marraine ni tout, tu es Haïtienne. Donc, monsieur dit toute la ville, c'est autour de Haïtiens. Que lié. Et monsieur, à la trace de José Marti, nous tous connaissons monsieur Rémy José Marti, j'étais venu en Haïti. Je suis allé au Cap Haïtien parce que José Marti était passé au Cap et jusqu'on y a un monde qui moun au Cap là, capable de Kaisa, dans le 14 et 13 I, c'est là José Marti était resté, jusqu'on y a une plaque là, mais c'est des monde qui étaient là-dedans. Moi t'ai proposé Fidel pour faire Kaisa tout un musée au Cémenti et que Fidel t'a venu inaugurer en Haïti parce que Fidel compte Kaisa tout parce que t'as visité à la trace de au Cémenti. Ensuite, haïtiens ont participé dans la bataille depuis dans la colonie et Fidel qui dit ça me pas de connaître indien qui relait Atway là que Cuba a vénéré en pile même gon bière Cuba qui relait Atway Fidel dit Atway ça Haïti il t'est sorti. Atway est sorti dans grand danse Haïti comme indien te vinn montrer indien avec cubain Octave Goumen montrer au faire marronnage et montrer et si n'al visiter musée du marronnage Cuba qui Pinar del Rio n'a poué dans musée Atway que au vénérer l'autre bois en pile Antonio Maceo qui était honnête qui était avec José Marti tout son haïtien qui sorti dans Nip qui sorti Baradère Antonio Maceo c'est pas de vrai nom. C'était Antoine Massé. Et que Cuba, ou vinrele Antonio Maceo, c'est seul noir qui était époque ça
dans la direction de la bataille révolutionnaire au Sémati. Encore une fois, c'est Fidel qui apprend moi ça, moi pas de connaître. Haïtien était dans la Sierra Maestra. Te gan pile haïtien paysan qui te ap goumen, qui te des planteurs kan, qui vin rejoindre mouvement dans Sierra Maestra. Te gen femme tout haïtienne qui te dans mouvement dans Sierra Maestra dans guérilla. Donc li rive là, nous vin aboutir à projet cubain sous Préval que moi te gen chance pour me diriger. Et ti ba ça que m'ta dit, c'est ouverture fidèle. Moi songe que gouvernement prévalent pas de un projet de coopération vraiment à Cuba. C'est dans première visite avec Cuba Fidel offrir aide li. Mais n'a pas de projet clair sous question. Et c'est ça que vinnoué que nous wè que ou pas jamais ka utiliser après ça toute monsieur dame qui sortir. C'est moi même personnellement qui mandé Fidel, est-ce que nous pas capable former 500 étudiants haïtiens pour venir remplacer cubains en Haïti. Fidel a répond oui, il est ouvert sur ça. Projet cubain, ce n'est pas comme ça que fait. C'était voué docteur en Haïti. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec le président Préval. Et c'est le ça que je demande au président Préval. Préval te dit, moi, mais non, c'est le commandant qui définit le projet. Un projet intégré les pistes, projet intégral de salut. Je dis, non, fidèle par haïtien, il n'y a pas contre sur Haïti. Et le ça, je reconnais ça, je vais Préval, en crédit ça à tout. Monsieur le sa dit si me veut me ca aller Cuba si me va discuter avec Negio l'autre bord ce que me fait même ministre santé cubain t'es peur à parler à Fidel pour changer projet en Jean Terre et moi rencontré à Fidel et tout ça me dit ministre santé en t'es là et l'homme fin parler avec Fidel dit ministre santé ça je nous dit c'est les n'a fait connier qui permettent que le projet a changé. Ça veut dire si un monde, contrairement à ça, on dit que son nègre, c'est ça le dit que le pensé, etc. C'est deux exemples que je pensais que lui ouvert des fois à des questions. Et ouvert pour qu'attendre de l'autre monde. Après, le projet a commencé dans la santé. Un an après, Cuba a décidé de l'investir dans la pêche en Haïti, dans l'alphabétisation, dans l'agriculture, dans la culture, dans l'environnement. Et me songe, étant donné que c'est moi-même qui t'ai implanté projet santé en Haïti, le président Préval t'a demandé moi pour me rencontrer avec le conseil des ministres en époque ça, pour me dire l'autre ministre, mais qui j'en pour accueillir Cubains dans différents secteurs que vous faites. Et encore une fois, je pensais que Fidel était un gros poids dans la question, parce que il tient à ce que le projet en fait, et je ne suis pas d'accord avec la politisation du projet. Malheureusement, que c'est ça qui vient arriver. Hein. Et je dis, toute limitation projet, malheureusement, Fidel mourit aujourd'hui. C'est manque vision l'État haïtien. Manque vision l'État haïtien pour absorber aide cubain. Je dis, aide cubain presque un bagaille parallèle avec sa gouvernement haïtien a fait. Nous, qui gens des mondes de droite, tant que le gouvernement Martelly, ou de l'autre gouvernement encore, utiliser aide cubain dans le cadre opportuniste aveugle. Ils ont juste besoin d'utiliser docteur cubain, ils ont utilisé cubain, mais ce n'est pas dans le cadre d'un projet clé, d'une politique publique clé, etc. Pour finir, quelle perspective qui t'a gagné aujourd'hui? D'abord pour Cuba. D'abord pour Cuba, moi-même, dans un petit échange que je fais avec Fidel, tu as connu n'importe jeune, tu as posé ma question, le Fidel mourit, ça a passé. Aujourd'hui, j'ai un point d'interrogation. C'est vrai que. C'est vrai qu'il y a un pile monde qui fait tant de révolution, qui pas connaît l'autre bagaille qui était gagné avant. Mais m'a demandé si c'est pas ça que limitation même. Le fait que yo pas de souffrance qui était gagné avant. Regardez ça qui passé dans pays de l'Est, regardez ça qui passé en Union soviétique, regardez ça qui passé côté pays yo, révolution yo, échoué quelque part et puis regardez aujourd'hui qui souffrance pour yo gagné, regardez Nicaragua yo, après Sandinista etc. Donc, moi-même, franchement, moi, j'ai un petit pincement dans le cœur. Je connais Raoul à continuer la bataille là, mais je ne connais pas juste le côté que vous arrivez. Moi, j'espère que vous êtes capable de continuer aussi. En Haïti, la relation qui gagne entre Cuba et Haïti, hein, c'est toujours incertitude. Le Wabgade, gouvernement de droite, yo, qui j'ai considéré la révolution cubaine. Et l'on regarde aujourd'hui, même dans les médias, où on a parlé de Fidel, pour y parler, il son dictateur. Comme si c'est ça que c'est Mac Fabrique Fidel. Comme si tout ça le fait que c'est dictature que nous songeons.
tout ça nous songe Cuba, c'est parce que l'élite a dirigé Cuba. Et bien, on garde le très simple, c'est que son nèg cap subi une attaque, cap subi un embargo pendant 50 ans, son nèg cap subi une bataille de impérialistes, parce que pas une blague dans ça. Même gens avec Haïti, tout, pas une blague là-dedans. Nous gagnons plus que 60 milliards de dollars de l'or qui gagne dans le nord avec le nord-est. Nèg yo pas quitter nous vinn point comme ça. Nèg yo pas quitter que population bénéficier de l'or ça comme ça. Et c'est ça qui ban nous ça n'a gagné aujourd'hui. Ça ban nous mode élection que nous gagnons aujourd'hui. C'est ça que nous avons mode élection aujourd'hui, parce que l'élite pays, avec oligarchie, avec Sandakarele, gros mafia internationale, a besoin de faire pillage sur les ressources. Et c'est normal, il y a toujours du fidèle son dictateur. C'est normal, il y a toujours du fidèle pour faire élection. Plutôt nous faire élection, pas nous, j'en ai fait. J'en ai fait élection pour que chaque 5 ans, nous fassions une bonne gagotte, nous fassions toute qualité qu'aucun qui gagne pour nous arriver à gagner le contrôle pour voir ça. Donc, qui ça Haïti a bénéficié dans l'esprit fidèle? Je dis à me penser, nous-mêmes, société, ça, jeunes, ça qui est grand tout, qui était jeune dans l'esprit, yo, c'est fondant pour nous permettre que Haïti soit capable de réorienter la politique publique en Haïti. Pour que la politique publique soit capable vraiment de centrer sur les plus faibles, centrer sur le monde, parce que Cuba, c'était la culture. C'était sport, c'était la santé, c'était l'éducation, c'était l'environnement. Et tout chita sous monde par rapport à la nature que la vivre. Et c'est ça pour nous faire tout. Faut que tout ça n'a fait, même si ça n'a arrivé au point de vue économique, nous arrivons à une économie mixte, même si nous n'avons pas permettre que des secteurs privés investissent, local, national et étranger, mais l'éducation, la santé, la culture faite pour aider non mais l'État, on l'État qui pour permettre que tout le monde ait accès effectivement avec question ça. Ensuite, protéger les ressources nous, bataille pour nous protéger ti l'or que nous gagnons. Nous pas grand pile ressources mais faut nous protéger ça nous gagnons. Protéger pétrole que nous gagnons là. Protéger toute qualité de ressources que nous gagnons pour nous permettre que toute population arrive à bénéficier de mes ressources que nous gagnons dans le pays. Et finalement, importance la jeunesse. Le 8 janvier 59, le fidèle rentré à La Havane, comme dernier peloton qui rentrait, dernière colonne dans trois colonnes qui rentrait à La Havane, premier acte que je fais, en tant que gouvernement américain a fait Batista, a fait Madame Batista Kado, fidèle prend tant que ça, le pote dans l'université La Havane. Et puis il remet étudiant au lit, il dit tant que là, c'est là pour nous défendre la révolution. Et me pensais encore une fois, jeunesse haïtienne, jeunes qui sont dans l'université, et jeunes paysans, jeunes qui sont dans le pays, qui ont 20 ans, qui ont toute énergie, qui ont, moi me pensais, dernier mot que je dit là, si, le jour que nous songeons Fidel Castro, le jour que nous songeons ça, monsieur fait avec Camilo Cienfuegos, avec Ernesto Guevara, avec tout l'autre qui était avec lui, ça n'est fait pour payer. Moi, je pense que nous songeons phrase Fidel là, nous avons un job pour nous faire révolution en nous-mêmes. Merci un peu. Merci, docteur Junot. Nous avons grand pile bagaille pour nous dire encore sur Fidel Castro que nous tous connaissons qui c'est en sommité. Et pendant que je dis ça, m'a rappelé mon l'homme de jeune, nous t'a parlé avec Guy Alexandre de Regretter Mémoire qui t'a expliqué que l'amour Fidel gain pour Haïti, c'est un amour naturel parce que gon confidence qui dit que monsieur a dit nous Fidel dit malgré et sous Duvalier te gen yo t'a retiré parce que Duvalier t'a fait marchandage avec américain pour capable asseoir pouvoir, gérer pouvoir, sécuriser pouvoir. Il pas trouvé rapport que Cuba voulait développer avec Haïti à l'époque. Il te dit tête li, il pas un problème pour le voter pour retirer Cuba de l'OEA, il suffit que nous bam ça, nous bam ça, nous bam ça. Monsieur dit malgré monsieur toujours rappeler ça parce que lui-même son nèg qui dans l'histoire en parlant de Fidel, mais ça pas retiré l'amour de gain pour Haïti. Donc, nous très contents pour ti causer ça ensemble révélation et confidence que Juno saute fait nous là. Nous parlons pour une petite pause musicale et puis nous allons tourner avec série de questions. Merci.
aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Nous allons passer dans une série de questions. Pour gérer le temps, nous allons prendre deux séries de questions, de quatre. Nous allons le coordonnateur général Café Philoa, qui est Ralph Jean-Baptiste, Jean-Paul Duperval, Enoch Saint-Jean, Joseph Géo Botam. Ralph Jean-Baptiste. Moi, je voulais dire, Juno, merci pour l'intervention dans l'équipe Café Philoa. Moi, je voulais dire, l'autre, tout merci. Pour bon modération ça, j'ai rien fait rappeler non mon an qui était parrain fidèle là, c'est Jean Hubert. Bon, c'est occasion pour tout le monde connaître. Dans nos équipe Café Philoa, moi je voulais dire merci Juno comme coordonnateur général et m'a profité occasion pour me faire porte-parole Café Philo Sud-Est qui la caillou parce que me connais aussi mon Jacques Mel en même temps et Café Philo qui dans NIP
Miragouane précisément, pour me dire tous les deux Café Philo ça ont intéressé, gain même intervention ça sous Fidel Castro. Je pense que ça important et surtout ça concerne nous faisons déjà et James qui dans l'équipe là parmi monde qui très involve dans logique fait intervenant nous capable aller ouais l'autre Café Philo à l'interview là-dedans même Jean professeur Dorisal Defel même Jean professeur l'homme Defel récemment. Bon, c'est ça extrêmement important et je pense que Café Philo ça important parce que si peut-être si Fidel mourit au moins ou là comme un monde qui t'ai une chance rencontrer pendant jeune âge parce que au moins j'ai là parce que au moins son pas là avec nous mais il là et en pile l'autre haïtien qui t'ai une chance de près ou de loin côtoyer Fidel Castro là et c'est en même temps bagage qui est important pour nous-mêmes qui jeunes. Personnellement, toujours inquiet et exprimer inquiétude ça avec monde qui proche moi, sous monde qui jeune en Haïti. Comment transmission mémoire pays a pas arrivé passer par eux et comment lutte qu'a fait à tous les niveaux notamment par jeunes dans l'université a souffri de déficit de mémoire ça. Bon, c'est lié important en pile intervention là parce qu'on rappelle nous des bagages qui important. Moi quoi c'est ça Café Philo a et tout effectivement Café Philo ça n'a fait à soi nous assumer c'est pas sans raison c'est peut-être première fois m'a dit ça nous gain hymne national là nous gain Astatien Blair moi dit Gaël merci tout qui fait en pile mobilisation pour nous arriver gain image à temps pour nous passer c'est simplement requête ça m'gain Café Philo Sud-Est et Café Philo NIP yo t'a bien aimé gain comme intervenant sous même sujet ça, je pense que c'est ça extrêmement important parce que Jean Remaré dit dans dernier moment notamment dans matin Caraïbe, je pense que Fidel c'est ton haïtien. Je pense que monsieur son désaligné. Merci. Moi c'est Jean-Paul Duperval. Moi inscrit pour me prendre la parole là comme secrétaire général du Parti communiste haïtien. C'est parti que Jacques Roumain t'a fondé. Donc Jacques Roumain mouri, parti a vinn fond en deux. Gen une branche qui fait PSP avec Charlier et compagnie, gon l'autre branche qui fait Parti communiste haïtien qui t'a gagné Roger Mercier, Doléan Juste Constant. Donc moun qui besoin connait histoire là, yo capable inviter moi avec Juno dans l'autre circonstance pour me ban nous qui Jean Parti communiste haïtien t'a évolué jusqu'à ce que l'été jouer un rôle dans expulsion et Cuba. Premier témoignage là, des sénateurs Maxime Roumer. Papa monsieur, c'est un millionnaire et de province. Émile Roumer, poète, qui était ami fidèle. Maxime Roumer, nous connaissons les jeunes évoluer politiquement, même si j'étais malade Cuba. Donc, Émile Roumer, bon, par contre, ça, Émile Roumer, il est pour monsieur. Tenez non. Et Maxime Roumer était malade et Cuba. Et puis, un après-midi, c'est Fidel Castro qui a rendu visite. Fidel font nuit à expliquer, monsieur, qu'il soit en relation avec Haïti. Dans la relation, ça y est, il y a un bagage que nous retenu. Fidel racontait que il était tout petit. Il n'y a pas comme ça qui passe, il y a un haïtien grand monde. Puis, papa, il y a 11 000 carottes dans une province, Holguin. Et puis, il y a un paquet haïtien qui travaille pour papa. Il y a un bagage qui arrive, monsieur, avec Raoul. Yo prend une équipe terre, yo mettez nous manger que haïtien tap tuit. Et puis après ça quand yo vinn faire au mal que yo mettez manger dans terre nèg là les nèg a vini, li prend manger pour le manger, li wè son paquet terre, li jeté manger a. Et puis pour une raison ou une autre, papa Fidel t'a pral caler monsieur le fait que li fait haïtien ça. Haïtien dit non, Fidel avec moi et ça pas gain droit et rivé. Haïtien ça, jou pral mourir. Il tente près de une semaine, il dit faut qu'il soit fidèle avant de mourir. Et effectivement, il tente une semaine, il voit dit fidèle que haïtien dit faut qu'il soit avant de mourir. Haïtien ça, fidèle ou elle et puis haïtien mourir. M'a dit nous premièrement que tout ça que yo dit yo pas rien devant relation intime que fidèle t'a gagné avec Haïti. M'a bon monsieur t'est Elvin grand là là l'étudier la Havane. Donc chaque année, monsieur vini en vacances. Les monsieur vini en vacances,
papa content ou elle. Et puis le lendemain, monsieur, il est toujours pour un bœuf papa, que le mène soir, il boit de l'eau. Et puis, depuis que monsieur prend un bœuf là avec lui, il vient enrager, il dit haïtien, dégagez-nous, cochez bœuf ça pour nous manger. À la fin, papa dit, monsieur Mouger, c'est pas possible. Chaque année, vous venez en vacances, moi, mon bœuf, moi, vous sortez avec lui, et pour vous dire, bœuf là, j'ai mal à griffer. Je dis, papa, c'est ou bien on va d'accord venir en vacances, ou bien on d'accord que chaque femme vient en vacances, ou qu'on bœuf, ou qui perdu. Merci, Duperval. Voilà. Je crois que je remercie l'IPAP de trop à l'initiateur du mouvement ça Café Philo et puis chapeau bas pour docteur. Moi-même, chaque fois, peut-être en retard, je ne sais pas si tu as déjà parlé de ça, chaque fois que j'entends parler de fidèle ou bien chaque fois que j'ai une chance de faire un coup d'œil sur un document qui parle de fidèle, réflexe moi-même toujours à garder Thier comme cavalier Paul Karl. Je ne sais pas si tu as une chance de transmettre une relation particulière que tu as développée ensemble avec Che Guevara. Est-ce que par moment, il y a un regret de traitement que l'on a fait de Che Guevara dans le dernier moment, yo, lorsque les Che ont besoin de moyens nécessaires pour que l'on capable de continuer la lutte que lui-même était coué là-dedans et que l'on a commencé avec Fidel. En pile le monde, selon eux-mêmes, c'est en forme de trahison ou bien c'est pas le même projet? Moi, je crois qu'à partir de jeudi, j'aime qu'on a regardé Docteur Anne de Fouchette, moi, je crois qu'à partir de jeudi, c'est comme une continuité de fidèles. Et moi, je crois qu'à partir de moment, je dis, à part de l'espace formel, nous-mêmes jeunes, nous avons besoin d'un autre espace, continuer tant des discours, ça, parce que y a stimulé nous pour nous faire un pile d'autres bagages qui est nécessaire pour le pays. Merci beaucoup. D'accord, Inok. Je salue tout le monde qui est dans le Café Philo et je remercie le Café Philo pour cause ça a été organisé. Et une chose qui m'a marqué, c'est que. Et je dis que Fidel Castro dit que la langue créole, c'est la première langue révolutionnaire. Ça m'a mis en pile. Révolution cubaine, non, c'est une révolution qui m'a marqué parce que j'apprends que on est humain, mission, c'est au service de la société. Pour qui ça? Pour travailler sur qui ça? Pour une meilleure distribution des richesses, pour valoriser l'homme. Non. Et c'est une révolution qui montre que deux figures emblématiques comme Che Guevara et Fidel Castro, deux mondes sont pas racistes. Et je dis que ça aussi, on a qui travaille pour montrer immensité et humain. Mais la question que je vais poser, est-ce que lutte pour inégalité sociale et économique n'est pas menacée avec la mort Fidel Castro? Et s'il t'a menacé, quelle perspective nous gagnons pour nous-mêmes, pour nous qui avons la vie? Et puis, deuxième question que je me pose, entre Fidel Castro et Che Guevara, qui sont des gens en pile, l'un des qui est-ce qui est plus gourmé pour l'exportation, révolution contre l'inégalité sociale et politique? Là? Et je finis pour me dire que nous-mêmes, étudiants, nous supposons aller à la suite de Che Guevara et Fidel Castro pour nous sauver pays ça. Merci pour différentes questions ou bien un compliment qui fait là. En première question, c'est par rapport à Ralph. Bon, Ralph qu'on aime très très bien, c'est son ami. Ralph connaît que Ralph déjà qu'on répond ça. Donc, avait dit Café Philo, c'est moi-même tout, pas qu'il y a aucun problème et c'est avec plaisir que moi-même. Moi, j'ai fait ni présentation dans Sud-Est, ni présentation dans NIP. OK? Bon, sauf Ralph, m'a vous songez très bien. Bon, comme vous dites, c'est mon Jacques Mier tout. OK? Mais même c'est mon cap. Donc, même mon Jacques, tout le monde arrive sur différents côtés que je travaille dans la vie. Moi. OK? Ensuite, dernière remarque que Ralph fait. C'est son remarque que j'ai fait dans Vision 2000 dimanche que j'ai passé hier et j'ai posé mon question sur Fidel tout et pour me dire que j'ai dit j'ai demandé le moment de Fidel qui ça me sentit moi j'ai dit que même l'amour que j'ai développé pour Dessalines chaque fois que j'ai rencontré Fidel c'est l'amour ça me sentit tout avait dit me senti lutte semblait en pile et vraiment rapproché de mon Jairo
révolution yo pas même mais yo semblé en pile surtout dans façon que communauté internationale là réagit par rapport à deux révolutions ça yo. Yo chaque te subi un embargo yo chaque te subi en sorte de yo fermé un carcan pour empêcher yo que yo te exporté yo. Bon deuxième là c'est JP qui t'a fait un petit parler et partager avec nous de expérience parler et m'a tout dit nous que moi-même c'est pas moi-même qui pigou expert fidèle en Haïti m'pas un expert fidèle moi t'ai juste voulu partager avec Café Philo et jeunesse qui particulièrement qui là expérience pas moi échange que m'gain avec lui et ça moi apprendre de questions mais c'est sûr qu'il y a l'autre monde tout qui rencontré avec elle tant que JP dit rencontrer les gain l'autre monde sûrement qui rencontré avec fidèle. Ensuite relation avec Che Guevara moi pensais que l'Occident ou encore impérialisme là utiliser en pile question Che Guevara avec Fidel là pour faire comprendre pour yo ça qui vient passer avec Che Guevara qui vient mourir yo tuer Che Guevara Jean ou tuer le Bolivien c'est un calcul que américain pas de faire ou bien la CIA pas de faire c'est que Che Guevara vient de nos icônes. Et que quand il y a là, l'homme je viens donner une icône, façon qui est plus facile là, c'est détruire l'autre là. Détruire l'autre là qui était, hein? Détruire l'autre là qui vraiment capable au problème là, et faire comprendre que Che Guevara, c'est fidèle qui trahit, c'est fidèle, etc., etc. Pas gain aucun bagarre comme ça. Effectivement, il y a gain doit condamner des discussions tactiques sur qui le, ou qui gens, ou qui pays. Donc, c'est des discussions comme ça gagnent, gagnent fidèle, surtout. Le premier départ, Che Guevara, l'homme s'est allé en Afrique là. Fidel pas de penser que Congo hein, c'est meilleur choix pour Che te fait etc etc. Mais c'est pas de, c'est même mounioye, c'est même bataille yo t'ap mené, pas rien qui pi bon que l'autre, pas rien aucun bagarre comme ça, c'est des yo chaque gen tempérament yo, yo chaque gen caractère yo, yo chaque gen gens que yo te wè des bagarre. Mais nous tout connaît Che Guevara, porté internationaliste qui te gen dans bataille là et c'est ça que bay Che ça. Mais moi-même, je ne vais jamais m'opposer et je ne vais jamais faire tout. Maintenant, est-ce que quelle possibilité gain pour poursuivre le débat ça? Moi-même, personnellement, je suis toujours ouvert. Soit dans la faculté, côté moi fais cours, je suis toujours de temps en temps fait un petit parler qui permet que les étudiants autant d'aider l'autre bagaille que moi-même te vivre. Mais moi-même, je suis ouvert. C'est un débat pour organiser et moi-même, je toujours participé à chaque fois que vous invité moi pour participer dans le débat ça. Dernière question, c'est perspective, c'est ça me retenu dans la question quelque part, c'est question exportation. D'abord, c'est, je te dis, c'est exportation révolution entre Fidel et Che Guevara, qui est-ce qui était plus pour exportation? Moi-même, pas pour encore une fois comparer pour me dire qui est-ce qui était plus ou bien l'autre. Che Guevara, son argentin, il fait dentiste, monsieur décidé travail dans internationaliste là et monsieur décide de quitter l'Argentine monsieur passe dans plusieurs pays monsieur aller Guatemala qui était Arbenz qui était un gouvernement plus ou moins progressiste monsieur aller Guatemala Guatemala monsieur des problèmes monsieur puis quitter Guatemala monsieur aller Mexique encore une fois et finalement rencontre Fidel mais pas pour le mesurer on pas faire ça même pas pour le mesurer qui est ce qui était plus pour exportation etc. Même si on a cité ça, Che fait, on a cité toute qualité de bagaille Fidel fait. Angola, tout ça le fait en Afrique, qui j'en supporte Mandela, qui j'en supporte ANC, qui j'en supporte bataille qui t'a fait dans Zimbabwe. Fidel font paquet de bagaille comme ça. Tout. Et je dis, Fidel a aidé plus que 18 pays que le voyez docteur là-dedans. C'est internationaliste ça et tout. Et internationaliste, ce n'est pas seulement le goût, Maxam. L'IFEL ont paquet de gens, ont paquet de formes. Cuba, je dis, il y a plus que 34 pays qui ont étudié médecine gratis la caillou. Donc, je ne vais pas rentrer dans le piège ça, que nous avons nous pour nous chercher, comparer Fidel. C'est deux mounes qui ont choisi Goumen pour ça qui est fait bio. Deux mounes qui ont choisi Goumen pour contre impérialiste. Moi-même, c'est comme ça, je vais garder la vie, monsieur. Alors, rapidement. Allô? Rapidement, pour nous. Corroborer à ce qu'a dit Dr. Junot pour Enoch Saint-Jean, l'organe politique extérieur et Castro, dans la période de guerre froide, nous prenons compte
chaque pays qui était passé pendant le temps qu'il a quitté Cuba, par la suite, Castro a toujours voyé quelques soldats cubains à supporter la bataille que M. a fait. Et tu es haïtien là-dedans. D'ailleurs, nous conseillons à lire un livre, monsieur écrit lui-même, qui est l'histoire Makitra. Donc, nous avons quelques informations qui gagnent et nous avons compris le rapport monsieur ensemble avec toi. Alors, pour la deuxième série, nous avons le Noël Isarac, l'histoire Makitra. Noël Isarac, Gustema Grégory, Fritz Eriol Mitsial, Vladimir Eli. Moi dis bonsoir à Dr Juno et moi dis bonsoir à l'autre Jacques. Bon, malheureusement, je ne pense que je suis sérieux encore, mais comme il y a même question toujours dans l'esprit, moi, je félicite pour bon gentil parole, ça, dialogue ça que vous avez avec nous en tant que jeune. Et qui fait que nous comprenons jour et jour, là on a dit, je ne vais pas dormir dehors pendant 5 ans. Pas dormir dehors pendant 5 ans, ce n'est pas parce que vous avez un intérêt politique, un intérêt économique. Mais pas dormir dehors, c'est ouais, génération qui vient après 10-15 ans, yo. Comment ouais, yo. Qui j'en ouais moun sa yo. Qui j'en ouais la vie moun sa yo. À chaque fois que grand pays yo même, y a fait de grands exploits, moun yo connaît yo pral mourir. Mais yo connaît génération qui vient après yo besoin vivre tout. Question pa m'nan pou, comme on te partagé quelques petits moments avec Fidel, est-ce qu'on pas comprendre que Fidel lui-même, il te gen quelques secrets moun de l'anamel, parce que il te connaît un petit crash jésuite yo, il te étudie ensemble avec yo, est-ce que ou pas pense que en diplomatie, pas gagne fiction. En diplomatie, pas gagne sans être capable de prophétie. Paroles ça au fidèle de Dieu. Ce sont des paroles peut-être qui t'es répété déjà. Mais fidèle en tant qu'un bon dealer, en tant qu'un bon monde qui a défendu pays et qui a défendu l'autre côté, qui a défendu l'autre nation. Et d'assemblée, monsieur, des fonds politiques de deal, côté que il te comprend politique mondial à mener et il choisit lui-même pour gérer situation pays. Pour gérer génération qui vient après yo, eh bien, il était choisi faire Cuba de s'allier et aider l'autre pays tout. Merci. OK, merci docteur Félix. Je ne jodi hein. Alors moi félicite pour belle intervention ça. Je ne jodi hein, nous estimer qu'on a une certaine fierté les de Montancou par exemple à exprimer expérience que tu vécu avec Fidel Castro. Mais je dis, dans le pays noir, en Haïti, ensemble de problèmes qui t'ont excité, bien que t'ont stimulé Fidel Castro, mener ensemble de batailles qu'il t'a mené pour Cuba, problème ça, yo, majoritairement, yo cuisant, yo vraiment palpable. Nous vivons en Haïti. Pour qui ça, docteur Juno Félix, ou pas, transformer Tetou en un Fidel Castro pour libérer Haïti en bas force puissance impérialiste aujourd'hui. Je vous salue tout le monde. Je salue le docteur. Je salue le modérateur. Docteur, je remercie pour la finalité pédagogique intervention là. Question pas bien simple, bien que le gain. Deux volets. Premier volet, selon plusieurs narrations historiques qui sont disponibles, approche révolutionnaire Fidel Castro a utilisé, est obligé d'éliminer physiquement un ensemble de dissidents et d'opposants politiques cubains. Dans ce sens, ça, est-ce que nous sommes capables de qualifier la révolution cubaine d'humaniste? Deuxième volet question, dans un cadre d'approche comparative, qui différents rapports d'opposition et de complémentarité qui existaient entre la révolution cubaine et la révolution haïtienne. Merci. Merci. Et bonsoir docteur, bonsoir et modérateur et bonsoir public là. Et moi, ma fond remarque avant de poser question. Un peu de silence s'il vous plaît. C'est que moi ouais et par rapport avec lui tout dit groupe étudiant qui fait partie en tape mené et moi ouais c'est un travail formel qui était fait. Mais kounya là, est-ce que nous ka garder et type d'étudiants nous gagne kounya yo qui bon peut-être certains là dehors même pas les toutes qui prend ça qui prend l'argent juste pour faire une lutte juste pour gérer nos postes non administration publique quelconque, est-ce que nous ka considérer même et une idéologie pareille
comme qui proche et une révolution. Et puis ça me l'a dit et par rapport à la question révolution qu'a fait là une et monsieur et président Fidel Castro et moi voulais moi t'aime connait est-ce qui type de révolution nous qu'a fait en Haïti parce que l'on tient compte de taux d'analphabétisme nous gagne en Haïti hein? Est-ce que nous qu'a fait une révolution idéologique après pour une question ça moi et puis si nous t'a dû faire une révolution avec ZAM, comment nous avons fait et comment nous avons fait tout pour nous faire une révolution ça en vie après nous avons réussi la révolution ça si nous avons fait. Merci. Merci pour la question. Première question, il y a un premier aspect qui a une approche mystique et que si Fidel Castro par rapport à la religion, par rapport à la mystique, etc., qui est ça que monsieur racontait sur la question ça, etc. À la vérité, moi-même, pas jamais fait, en dehors de comprendre monsieur en termes de position athée que l'on a gagné, ok, à un certain moment, seule parole, je pense me parler à monsieur qui a un rapport avec la mystique, c'est là que je t'ai raconté après l'attaque contre le Kada. Après l'attaque contre le Kada, côté que monsieur était dans la deuxième machine que l'on a et que la deuxième machine, nan, juste son héros passé, chauffeur qui a conduit, peut-être inexpérience monsieur yo et puis le fait que négocier manqué professionnel l'époque ça a tout nous a fait bataille là et que monsieur peut-être était stressé tout et puis caoutchouc droite machine là monté sur trottoir et puis qui vient attirer attention sentinelle qui était en l'air et puis c'est comme ça que attaque là tout crasé tout mais fidèle yo pas prendre dans monde cadavre yo prend l'autre monsieur mais fidèle jeter lui-même et monde qui connaît Santiago si gagne nous connaît Santiago Fidel courait à pied et Fidel arrivait juste presque dans un aéroport Santiago. Et que yo prend monsieur c'est dans zone ça tu pas le prendre. Léo Sénem monsieur et finalement son capitaine qui a passé. Capitaine nan ouais monsieur non camion qui était gagne un paquet de zèbre là-dedans monsieur était caché dans zèbre. Et capitaine nan pas arrêté monsieur. Et capitaine nan dit monsieur c'est parce que ils sont franc-maçon. Et monsieur dit depuis jour ça opinion le franc-maçonnerie et monsieur dit il vient un bagage spécial pour comprendre avec question franc-maçonnerie mais c'est en dehors de ça on pas j'en fais une discussion sur débat mystique avec tout ça que me connaît c'est débat que nous tout cas connaît c'est débat que me lit dans des livres par rapport à ça monsieur comprendre de religion et qui relation le avec l'église catholique mais ce que me gardou c'est que me connaît que monsieur a une très bonne relation avec vaudouisant particulièrement vaudouisant haïtien. C'est monsieur qui est dépréservé vaudou en Cuba. Monsieur qui a un paquet de musées que le créer, c'est à côté des musées de la culture et des musées de la religion. Et c'est monsieur qui permet de créer, par exemple, association descendants haïtiano-cubains, qui plus qu'un million en Cuba, descendants haïtiano-cubains. Maintenant, Mata Jean-Claude, par exemple, monsieur t'a financé Mata Jean-Claude, il a financé groupe Macandal. Alors, m'a profité par un petit respect pour Mata Jean-Claude, qui a pas de connaître en Haïti, mais même l'a exilé, m'a côté même fait. Mais dans le voyage que m'a fait Cuba, m'a vingé de très bonnes relations avec Mata. Et pour que ça, Mata était en chaise roulante. Chaque fois mal Cuba, m'a toujours pris mal chercher dans chaise roulante, là, m'a sorti avec elle dans le taxi. L'été apprécié ça en pile, m'a vingé une bonne relation avec elle. Donc, m'a devait souligner ça. Et que m'a été vingé comme un petit adoptif pour Mata. Et c'est ça que fait l'œuvre de créer la Fondation Mata Jean-Claude. Là. Magdalena, il y a un mesdames, qui est docteur, qui vient très proche, juste aujourd'hui, qui est très bon ami. Il y a Richard Mirabal Jean-Claude, qui est très proche. Tout. Là, nous venons faire la Fondation. Richard et Magdalena ont demandé pour venir dans le comité exécutif Fondation, Fondation Mata Jean-Claude. Là. Et Jean-Richard a dit, si moi-même j'ai fait testament, si moi-même j'ai gagné bien, ou même quand mon monité est en pile, ou tape dans bien. Donc, je trouvais normal que moi-même participe à la fondation. Or, le groupe Macandal, c'est l'État cubain qui finance. Qui finance pour continuer à exister Cuba. Donc, ils financent tout le bagage vaudou. Donc, c'est deux bagages que je suis capable de dire qui montrent la relation monsieur, avec la question mystique ou bien avec la question vaudou, etc. Aspect perspective pour les jeunes. Perspective pour moi-même, moi, j'ai pensé l'éclair. C'est que. Pas qu'à gagner un brigadement dans la question. Moi, je pense que les jeunes aujourd'hui,
Parce que des gens qui sont fidèles, des gens qui sont chers, des gens qui sont Camilo, des autres gens encore qui sacrifient la vie, sacrifient la vie pour le pays, ou bien pour la société, ou bien pour l'humanité. Parce que c'est des chances que nous gagnons pour être capables de lire sur eux. Et inspirer nous de gens. Ce n'est pas moi-même qui moi-même seulement capable de transmettre, mais essayer de partager avec nous des compréhensions par moi, partager avec nous convictions, partager avec nous lectures que je fais. Mais moi-même, m'te l'âge nous tout moi invite nous à lire moun sa yo pour nous capable inspirer tête nous et ouais comment nous même nous capable avancer avec ça gain pour fête dans pays d'Haïti. Grande deuxième question parce que bah ça vraiment si m'aller chercher répondre question ça m'da vraiment audacieux transformer tête moi en fidèle fidèle son modèle pour moi. OK, il me fait tout ça capable pour m'essayer bailler tête point en discipline révolutionnaire, mais essayer bailler tête point le plus possible en discipline pour moi qui j'aime capable à donner la vie à changement dans pays. On va pas parler de ça là aujourd'hui, conférence c'est pas sous moi même que lié, on va mal raconter tout ça me fait ou bien les sacrifices que me fait ou bien qui j'aime moi-même moi bailler tête point à ça me reler la lutte pour le changement en Haïti. Même parce que c'est pas moi même qui gagne pour faire, c'est nous tous qui là. M'a dit nous Cuba gagne plusieurs mouvements, gagne pionnier, gagne plusieurs mouvements jeunes, même j'ai gagne mouvement jeune en Haïti. Pionnier Cuba, yo relé los pioneros de José Martí. Pionnier José Martí, même j'ai un scout gagne salut, yo même salut par yo, c'est Seremos como che. Tout petit monde depuis le petit depuis l'a saluer c'est l'a tant coucher le grand et l'autre petit monde qui plus grand autour yo dit même bagarre là yo gagne un slogan yo même yo dit fidèle adelante nosotros te seguiremos, fidèle devant nous même n'a suivre petit monde 15 ans yo. Donc c'est jeunes yo, c'est nous même qui pour prendre yo, et j'aime ça dire tout à l'heure c'est nous toutes jeunes yo qui pour inspirer deux monde ça yo. Et pour nous tous capables de tourner de Che Guevara, tourner de Fidel Castro, mais surtout de Jean-Jacques Dessalines. Gagnons l'autre troisième question qui c'était question Fidel qui éliminait opposants politiques. Et que ça vient de la révolution en caractère anti-humaniste, d'après ça, m'entendez. Ok. Bon, par contre, tout étant donné notre vision 2000, hier et dimanche, nous avons fait un gros débat sur ça pendant plus de 30 minutes, côté que nous avons essayé de défendre l'idée fidèle ou bien action politique. Je ne suis pas en train de dire là que quand si ça fidèle posé, c'est correct, tout ça le fait bon. Moi-même, je ne vais pas répéter là, non? Moi-même, fidèle parler avec de où elle fait, des choix qu'elle fait, qu'elle pensait, qui gagne un problème là-dedans. Moi parlé en pile avec Fidel sur question prostitution Cuba que touristes l'emportaient, et Fidel parlait de deux revers qui gagnent la médaille là, pas pour le répéter toute parole ça là. Fidel parlait de frère Ochoa, pas pour le répéter exactement ça le dire, mais monsieur gagne des opinions sur des bagages que le fait Fidel est un monde. C'est comme ça me introduit conférence là, même lui même il était dit monsieur Guevara son monde, c'est mon grand homme, ton monde. Donc ça veut dire que son monde là veut dire il fait erreur, et parti communiste cubain fait des erreurs, il fait des et par jour d'hier il change d'orientation encore chaque 10 ans presque, nèg change d'orientation, il pas de compte quitter investissement direct étranger, il vient quitter investissement direct jour d'hier, il gagne économie mix, il fait des changements, il fait des erreurs, etc. Quand il pas pour le citer avec sur chaque grain monde qui mourit Cuba qui dans le fait, mais moi m'essayer mettre maintenant pour Fidel. Et que pendant ma vie, même ménage me gagne, c'est celui avec vous et ménage pour tuer dans la cabane. Avait dit tout gens nèg a attaquer nèg là. Avait dit me poser cette même question, si mon connon nèg te vient attaquer nèg là vient tirer moi déjouer attaque là me prendre moi ici prendre monsieur moi ma sécurité ça ne t'a pas fait monsieur pas connu. Donc s'il te plaît, pas poser une question ça pour me dire tête point ça me t'a fait dans situation comme ça, parce que me t'a pas envie poser le tout, ou même si un monde vient tirer ou prendre ça t'a fait. Maintenant,
Est-ce que qu'on y a un droit politique yo, en termes de samrelé de droit politique Cuba yo? Est-ce que effectivement gen moun que yo persécuté malement? Moi pense peut-être oui. Parce que des erreurs que yo fait comme ça. Mais rappelez-nous, moi dit encore c'est que dans l'esprit par fidèle c'est non bataille que lié. Jean yon nan pi gros bagage, c'est pas moi même li te dit mais non livre que me lire, yon nan phrase fidèle qui plus mémorable que le dit, elle le dit lui-même li gon cœur d'acier. Ça veut dire que lui-même li fait tête tourner cœur d'acier ça pour ca protéger peuple, pour ca bataille contre peuple parce que ils sont monde qui prêt à donner à bailler tête li pour ça. Mais maintenant est-ce que régime politique là fait erreur? Est-ce que régime politique là gagne bailler que le fait qui passe à du tout? Moi penser ça. Moi penser au fait des erreurs et même yo même yo dit et même dans gouvernement dans l'état cubain dans parti communiste cubain yo admettre que des erreurs que eux même yo fait. Comparaison entre révolution cubaine et révolution haïtienne. M'a dit une petite anecdote que me t'ai dit dans premier discours me t'ai fait pour Fidel en 1986-87. Moi t'ai dit Fidel deux révolutions ça ressemblait en peine. En 1803, gon groupe garçon ak femme esclave qui décédait lever gourmet contre establishment mondial là. C'est pas en Haïti que t'es gagné esclavage, c'est le monde t'es divisé comme ça, t'es gon groupe pays dans nord cap dominion paquet sur l'autre pays et ont utilisé mode d'exploitation esclavagiste pour faire richesse. Le palais du Louvre, musée du Louvre, Arc de Triomphe, tout gros bail en France. C'est l'appel des Antilles qui construit. Mais l'appel des Antilles, c'était pour Français. Nous refusons, nous, les Haïtiens, de l'appel des Antilles à Haïti. C'est nous-mêmes qui partons l'appel des Antilles pour nous. C'était côté que tu as plus de bagailles déshumanisantes que tu as faites. Couper bras, couper pieds, mettez des niches fourmis pour manger, couvrir tête avec sirop. C'était des bagailles qui sont barbares qui t'a passé dans ces domaines. Donc l'appel des Antilles, c'était pour Français qui t'a joui de ressources. Et mes petits groupes nèg sa yo ak fam yo levé contre la plus forte armée du monde plus l'establishment mondial qui était derrière dol yo bat li et qui ça yo fait yo empêché l'exporter révolution gade tak tap passé Jamaïque mouvement Mayflower que jodi an gade Jamaïque décidé vinn font statut en Haïti président sénat jamaïcain avec recteur université West Indies décidé vinn font statut bonbon dans zone abricot parce que tu combat qui était passé l'autre bois Jamaïque un groupe jamaïcain qui volait un bateau un blanc alors blanc est propriétaire et puis au sauvé parce que tu t'entendais connaître les Jean-Jacques Dessalines qui dit depuis 1804 Dessalines dit lui avant tout gros philosophe en Europe etc. Dessalines dit nous toute connait phrase ça depuis un monde sent-il opprimé dans quel que soit côté lié sous planète là de pour venir là ou libre et ou tourner haïtien. C'est de ça, oui, Fidel Castro inspiré, qui vient faire bien tout l'esprit de solidarité internationale. Et chaque fois que Fidel Castro parle du panaméricanisme, il l'emmène au Sémati, et il l'emmène en vent au Sémati, il l'emmène de Dessalines, de Toussaint Louverture, Pétion, etc. Ça veut dire, monsieur, inspiré la révolution, monsieur, inspiré de ça le faire. Et qui ça vient faire après ça? Fidel te dit, mon jour, il n'y a pas même quitté Dessalines vivre 2 ans. Après révolution, 1er janvier 1804, 17 octobre 1806, avait dit, yo tué monsieur. Et Fidel dit, le patap vive même bagarre des Salines. Il fait révolution et il rete pour le défendre révolution. Maintenant, yo mette Haïti sous embargo. Haïti pas de faire commerce à aucun pays. Pendant 80 ans, nous pas de l'homme non des Salines en Haïti. Même dans imposer nos questions, est-ce que nous compte qui Jean? Madame Dessalines mourit, Claire Rose. Yo pas parlé de ça dans l'histoire. Claire Rose, c'est mangol tap manje. Premier monde qui essaie de réhabiliter Claire Rose, c'est Soulouk, qui bal on rentre dans l'État chaque mois. Et le Soulouk tue petite Dessalines, premier petite Dessalines. Claire Rose retourne bas Soulouk, lui remettre l'argent. Il dit, c'est pas vous qui t'a tué petite Jean-Jacques Dessalines. Il retourne manger mango juste mourir. Pour qui ça c'est pas ça ou apprendre ti mesdames nous en Haïti pour prendre comme modèle c'est Claire Rose pour t'apprendre comme modèle
Donc, deux systèmes, yo, c'est même bagaille là. Et en 59, même bagaille a passé après la révolution cubaine. Yo mette Cuba dans embargo. Juste jodi, elle sont embargo. Obama a fait tentative là pour lever embargo jusqu'on y est là. Et c'est pour ça que je pense que deux révolutions ça ressemble. Et phrase, je dis fidèle. Moi, je dis fidèle. 19e siècle, c'était nous-mêmes. Nous dominer. Révolution haïtienne a dominé 19e siècle avec ça que nous avons fait. Le monde d'avoir les comme ça, nous fait le monde changer direction. 20e siècle, dans le mi-temps 20e siècle, Cuba font révolution contre l'establishment mondial. Et changer le monde tout. Et je dis fidèle, 21e siècle, jeunes haïtiens, jeunes cubains, l'a appartenu à nous tous les deux ensemble. Merci, docteur Junot. Maintenant, ma dernière question, c'était, je demandais pour me comparer le mouvement étudiant actuel, que Zami a été qualifié quelque part d'opportuniste, d'étudiant qui a goûté pour opportuniste, etc. Bon, moi, même pas pour le faire jugement mouvement étudiant comme ça. Je pense qu'un jour, peut-être, Café Philo capable de créer un gros débat sur le mouvement étudiant, halteye, halye joudien, place fenêtre existe. Moi, je dis nous, fenêtre dans le comité exécutif au clair, fenêtre dans l'UIE en Tchécoslovaquie. Je dis en qui ça, mouvement étudiant haïtien, est-ce que ce n'est pas un paquet de petits groupuscules? Est-ce que nous arrivons à créer un mouvement étudiant fort? Moi, pas qu'on est. Un jour, je pourrais participer à une discussion comme ça, à un débat sur. Qui chaque mouvement étudiant. Maintenant, qui révolution pour nous faire en Haïti? Qu'est-ce que nous avons dit? Est-ce que nous avons pris un aujourd'hui? Est-ce que c'est une révolution avec ZAM? Moi-même, je voulais être concret avec tête moi aujourd'hui. Nous regardons des guérillas qui existaient depuis plus de 60 ans après remettre ZAM aujourd'hui. Nous regardons ce qui a passé en Colombie. Nous regardons Guatemala. Nous regardons Sandinista qui était dans le mouvement guérilla qui rentrait dans l'autre rang qu'on y est là. Je ne sais pas quoi aujourd'hui nous avons un contexte. Haïtien là, dans l'état que nous y est là, dans l'état organisation haïtien, dans l'état mouvement jeune, dans l'état mouvement politique, pour nous ta fou pour nous dire c'est ZAM qui pour fait en Haïti. Je pense que c'est viable en tant que mouvement. Mais par contre, je pense aujourd'hui, nous capables d'essayer de mener changement. Je ne pas dire nous avons une révolution socialiste aujourd'hui en Haïti, dans l'état richesse dans le pays. Dans l'état de développement richesse, là, qui ça ne peut pas le partager là aujourd'hui. Hein. Mais par contre, moi pensais que si des mouns qui révolutionnaient tout bon, prend contrôle du pays, ils ont mené changement le plus loin que le cas fait pour permettre que l'État s'a transformé. Mais pour le transformer, Jean-Fidèle t'a dit. Mais encore une fois, Jean-Jacques Dessalines t'a dit, leur t'a dit, et ça, yo, papa ou grand-papa est en Afrique. Là. Pour permettre que tout le monde a bénéficié de ressources qui gagnent dans le pays d'Haïti. Mais type révolution, je pense que c'est une révolution des salines pour nous poursuivre aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Merci une fois de plus, docteur Junot. Alors, lors du retrait de Castro du pouvoir en 2008, Chavez eut à dire que les hommes comme Fidel ne se retirent jamais. Bon. Comme nous sommes dans un nouveau contexte, dans un autre contexte, je dirais moi-même que les hommes comme Fidel ne meurent jamais. Merci tout le monde. Rendez-vous à la huitaine. Bonne soirée. Merci. Jour la carrière, soleil janté. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, change mon cabine. Chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, change mon cœur.